Coucou les morues, comment va? 9ème épisode de Palladium. On a fait 6600 likes, donc 13 blocs de Palladium. Allez hop, les 13 blocs. Et voilà, du coup je rappelle, 500 likes, un bloc de Palladium en plus dans la salle et je vous donnerai un indice au cours de la vidéo. L'autre fois, ok, j'ai fail, j'ai mis ça dans le commentaire épinglé du coup, donc pour ceux qui ont loupé l'info, elle est dans le commentaire épinglé du dernier épisode. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc passer au niveau 18 mineur et j'aimerais bien tester une des fonctionnalités de la POG, ça va être l'effet gros trou. Bon, là vous voyez que vous avez une barre de température que je n'ai jamais testée encore. Apparemment, ça pourrait one-shot énormément de blocs d'un coup. Par contre, le coût en palladium reste très coûteux. Donc ça, je vais tester tout de suite. On va passer par le wiki et tout et voir comment est-ce que ça marche. Et suite à ça, eh bien, on fera quand même un peu de pillage pour votre plus grand plaisir. Si jamais c'est pas encore fait, abonne-toi, ça ferait hyper plaisir. Et je vous invite également à rejoindre mon Discord parce qu'en fait, je vais commencer à faire des lives Palladium Hypixel dans pas longtemps. Donc venez dessus, comme ça, ça vous ping le début des lives. Le lien est en description. Et je ferai peut-être même gagner un grade sur Palladium, pourquoi pas, ça ferait sûrement plaisir à la commu. Donc voilà, venez, venez, c'est gratuit. Bon, allez, déjà la séquence où je passe niveau 18 mineur. Et je vais également faire un petit récap par rapport au F-level parce qu'on a pris quelques levels entre temps. Bon allez, il me manque juste 8000 ou même 7000 d'XP pour passer au niveau suivant. Donc là je suis avec le coureur, je pense que c'est lui qui va me faire passer le level. Allez, le palalag il est dans 215 secondes. Est-ce que je vais passer niveau 18 avec lui? Ah, peut-être pas en fait. Parce que là il n'y a que de l'améthyste et du titane peut-être. Ouais, non, bah je passe pas de level avec lui. Bah ça sera du coup pour le prochain mec. Hein. Abonnez-vous, ouais, faut s'abonner quoi. En vrai, genre il me manque que 3000, je peux presque les faire genre moi-même. Allez, je pose les 9 palladium, mon améthyste et mon titane. Ok, c'est pas assez. Non mais genre 700 points d'expérience quoi. 700. Fait slash mail block. J'avais oublié cette commande. Attendez. Ah, ça va, c'est vide. Ou ça bug. Non, je préfère pas. Je préfère pas charger. Allez, 7 dupli. C'est pour moi. C'est pour le up. Tac. Niveau 18 avec 19 000 de monnaie en plus. Et bien sûr, ça va faire XP la faction. Alors, déjà, petit point par rapport à la faction. Parce que l'autre fois, du coup, j'en ai pas parlé. Mais on est passé au niveau 3, ce qui débloque 2 slots en plus dans la faction. Et ce qui fait qu'on est maintenant 22 membres sur les 24. Et les deux prochaines places sont déjà prises. Donc, on va les inviter sous peu. Le classement, bah en fait, il a pas changé depuis l'autre fois. Nous, on est juste 35e. Donc, va falloir faire XP la faction pour monter dans les classements. Mais ouais, de toute façon... pour viser les 3 premières places, ça va quasiment être impossible parce qu'ils ont un petit train d'avance, un tout petit. Bon, nous revoilà en faction. J'ai up la PKX of the God niveau 18 entre temps. Bon, ok, elle était niveau 18 sur l'intro, mais bon, parce que j'ai fait l'intro juste tout à l'heure. Et juste, j'ai lu vos commentaires. Bah, en fait, un peu comme tous les soirs, je lis souvent les commentaires et j'ai vu un petit truc que je ne savais pas. Il y a un commentaire de Victorich qui dit « Attention avec la POG Big Hole, genre 1 ou 2, quand tu n'as plus de Palladium Call, la pioche se retrouve inefficace. » Donc ça veut dire que là, si je commence à mettre de quoi activer l'enchant gros trou, eh bien quand ça tombera à zéro température, la pioche sera totalement inefficace. Et ça, c'est pas ouf. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à re-up une pioche en parallèle. N'est que niveau 12, malheureusement. Mais de toute façon, j'ai pas besoin d'une pioche niveau 15 ou 16 pour miner du palladium. Genre, la pioche niveau 12, en tous les cas, elle va monter de niveau. Mais on va se pencher un peu plus sur l'effet gros trou. Bon, pour rappeler sinon, au niveau 17, on débloque l'option auto-smelt. Et niveau 18, l'option gros trou. Pour l'option gros trou, il existe 3 tiers du niveau 18 au niveau 20 qui permettent de casser 3x3, 5x5 et jusqu'à 7x7 au niveau 20. Enfin du moins au niveau 3 de l'enchant mais 20 du métier de mineur. Mais cependant pour ce faire, la pioche doit être assez chaude. Pour cela vous devez avoir des palamix set call dans votre inventaire quand vous cassez un bloc avec la pioche avec l'upgrade gros trou. Et en ayant du palamix set call dans votre inventaire, la pioche va chauffer à 1000 degrés. La texture de la PKX of the God est différente lorsqu'elle est chaude et sa température est visible dans son tooltip en passant votre curseur dessus. Et ensuite ça refroidira progressivement et sa vitesse ralentira proportionnellement à sa température. Il est possible de la forcer à remonter en consommant un palamix set call. Shift-click droit avec la pioche en main. Bon, le truc, c'est que pour upgrade la pioche, il faut forcément un grinder. Et avec cet item en particulier, le God Pickaxe Big Hole. Et ça se craft avec 4 de verre, un Palladium Excavator et un Palladium Core. Et le Palladium Excavator, il se fait avec plusieurs Titan Excavator, etc. C'est pas relou à craft, hein. Ça va, tranquille. Bon, bref, du coup, faut genre 12 pelles en titane avec 4 de Palladium et...
linguistique. Ah, j'ai été viré. En même temps, à force de discuter. Donc bah écoutez, on est parti pour la création de l'item. Enfin, de l'item, du moins de l'upgrade. Alors juste, le Palamix Call, là... Attends, non, ça a changé. Avant, c'était pas comme ça. Genre, c'est... Maintenant, il faut un Gold Mix Call. Et le Gold, il se fait avec un lingot d'or et un charbon. Ah, mais ça vaut bien moins cher qu'avant, parce que avant, ça, le Palladium que ça coûtait à l'époque, c'était beaucoup plus, il me semble. Bon, là, faut quand même de l'or... Un lingot d'or pour 4 gold mixed coal, qui est bon très raisonnable honnêtement, et 4 de palladium à chaque fois, même, enfin 4, on va dire 5 lingots avec les sticks en plus. J'espère que ça vaut le coup de farmer avec. Moi je pense que non, mais bon, on va faire le test de toute façon. Du titane, j'en ai à foison sur moi. Par contre, j'ai pas de bois, j'ai bien du bois dans la sky quelque part quand même. Non. Ah, parfait. Et le grinder qui est juste là, on le posera un peu plus tard, mais en vrai, je vais le prendre sur moi. Voilà, parfait. Il me faudrait juste un seau de lave, donc je vais prendre 3 de fer. Allez, on est parti pour le craft de 24 sticks au total qui me permettront de faire plein de pelles en palladium. En titane, pardon. Non, pelles en titane. Hop, parfait, ça rentre pile dans les slots. Par contre, c'est pas ouf. Ok, c'est bon. Je vais pouvoir mettre dedans. Parfait. Ensuite, les sticks en titane. Pas relou à faire le truc. Pareil, il en faut 12. Maintenant, je peux crafter les excavators en titane. Allez, plus que 2 à faire. Et voilà. Ensuite, on met les 4, il me semble, comme ceci. Le palladium. Voilà. Et ensuite, il nous faut du verre avec un palladium core. Ça, si je me souviens bien, c'est comme ça. Et on va avoir notre God Pickaxe Big Hole. Parfait. Là, je vais juste prendre un peu d'or avec moi au cas où. Du charbon. Hop. Je me prends un seau de lave dans le nether. Je pose le grinder dans le minage parce que je suis fou. Bon, en vrai, non, ça va quoi. Ça crache pas à cette heure-là. Le seau de lave et le dernier casing. Parfait. Bon, pour le grinder. Du coup, ouais, j'ai besoin de palladium. Je mets l'upgrade. Je pense que ça va marcher comme ça. Je mets l'upgrade et la pioche ici. Et ça va peut-être commencer à se faire. Ou l'inverse, non? Comme ça? Du palladium, non? Normalement, non? Je vais essayer, hein? Ah, alors. Je pense que j'ai loupé un épisode où peut-être que ça se fait pas comme ça. Alors là, c'est un gros mystère. Ah, faut que je demande de l'aide à quelqu'un. Je vous coupe 2 secondes pour vous dire que la base secrète est quelque part au-delà des 24 000 blocs. Bien sûr, je n'ai pas précisé positif ou négatif, mais c'est un des indices. Voilà. Bon, bah j'ai ma réponse. Je passe les tests vite fait et apparemment, ouais, c'est un bug. Donc, on verra plus tard pour l'enchant. Au moins, j'ai préparé tout ce qu'il faut. On va donc chercher des pillages. Bon, si je voulais rush à la pioche, c'est parce qu'en fait, apparemment, on pourrait miner plusieurs opsy d'un coup avec l'enchant et ça permettrait d'aider pour la base claim. Voilà, bon, c'est dommage. Allez, on prend l'unclaim finder, le travel stuff et on parcourt le serveur pour trouver vos bases parce que j'ai besoin de m'enrichir. Ah oui, attends, juste, j'ai une autre info avant. Bah, du coup, apparemment, faut être niveau 19 pour mettre l'enchantement. Voilà. Voilà. Donc bah, à dans 2 jours pour la POG au niveau 19. Ouais, parce que là, j'ai encore mon daily XP à faire. Ça va faire 500 000. Voilà. En fait, non, demain, en fait. Mais non, à 2h du matin, c'est bon. Là, il est genre 11h et je suis à 0. Ouais, donc dans même pas 12h environ. 14h. Allez, go. Et bah, du coup, épisode de demain, la POG. Vas-y, montre. Ah ouais, c'est une belle base quand même. C'est une belle petite base. Ouais, après, je sais pas si je prends du stuff au cas où pour si jamais il y a besoin de taper. Oh, ouais, vas-y, viens. Je pense pas besoin. Oh, vas-y, non, go, hein. Vas-y, go. Attends, y'a un mec? Ah non, c'est une table d'enchant. Non, c'est bon, je peux. Merde, je suis tombé avec toi. Ah, bien joué. Attends, mais je suis retombé avec toi, wesh. Non, mais comment tu gères ton clavier, toi? Non, mais. Attends, je vais mettre là, c'est bon. Ok. Hey, en vrai, elle est belle la base, hein. Ouais, mais. Lui, il saute dessus. Attends, c'est pas nous, non, mais. Non, mais... Je vais mourir. Non, mais bon, c'est globalement vide. C'est vide. Waouh, waouh. Il y a un drawer. Ah, mais en tout cas, la base, elle est belle, la base, en tout cas. Ouais, elle est belle. La base, elle est belle, hein, mais... Il y a un drawer et un prévoyant. Ouais, j'ai un bouquin punch, super, waouh. Wow. Attention, il y a Il y a 30 d'opsy, waouh. Attends, t'as vu ce qu'il y a écrit sur le panneau? Non, mais j'ai vu le panneau, ouais. C'est pas le panneau. Non, en vrai, attends, c'est la base à qui, là? Ah, mais en fait, ils ont fait plusieurs chambres. Genre là, t'as Space XM, là t'as Fox Knight. En vrai, elle est stylée leur base. Et franchement, elle est hyper stylée leur base. Vas-y, et en vrai, tu sais, on va faire comme si de rien n'était. On va remonter. Il y aura juste quelques trucs en moins dans leur base. Mais attends, il y a quoi, ici dans rebouche. Les. Ouais, ils ont là, un y peu. Y a quelques fioles. Là, il y a quand même des bouquins et tout. Hein. Y a attends, je reviens une seconde. Mais ouais, c'est des rats, ils mettent tout dans le C. Non, mais ouais, leur base, elle est sympa. Hein. J'aime bien la déco.
Tiens, je vais prendre l'extracteur qui a... Ah non, zéro. Ok. Ouais, c'est vraiment des alchimistes. Bon, next. Faut que je trouve des pillages aussi, moi. Du coup, c'est par où? Juste là-bas. Ouais, vous êtes tous dans mon trou. Bah ouais, tant qu'à faire. Hein. Attends, deux secondes. Je pose 4 cave blocks autour de moi. Hop. Les gars, c'est une sky. Hein. Ah ouais, il y a alors, absolument rien dans le sol. Hein. Ah, j'ai 16% là. Tac, tac. Et qui c'est qui me noie? C'est qui a... Ah merci. Non mais juste j'étais en train de me noyer là. Non. Ah mais en plus t'es remonté pile au-dessus de moi. Non mais... Ah ouais... Ouais, chercher les chunks parce qu'il y a absolument rien en dessous. Hein. Ah mais attends, mais t'es déjà en train de déjà monter... J'ai déjà monté tout en haut, peut-être que je le verrai. Mais il y a déjà un pilier. Il y a un pilier, oui, là-bas. En fait on la voit d'ici la skybase. Ouais, on la voit. La voit, il y a une pas la machine. Ah ouais. Ah ouais, bah je monte. Tu vas me TP parce que bon, j'ai la flemme de prendre des blocs, hein. Mais il y a table d'enchant, pas la machine, et bah du coup, tous les coffres, à mon avis. Là, je vois Tic-Tac qui tryhard le saut. Vas-y, rush, et après tu TP. T'as vu, ouais. Allez, plus vite. Vous TP dans le vide, là? Non. Waouh, incroyable. Attends. TP. TP. Je veux voir. Vas-y, du coup, il y a quoi dans les coffres? Oh, Ethan, il y a un seed planter pour toi. Il y a un compacting drawer ici. Ah bah, il y a un grinder. Livre FI4, printing press FI4. Prenez, hein. Alors prenez là, on a du P4 FI4 avec la printing press. Ah, attends, mais il y a des drawers, il y a plein de drawers et tout. Ah non, il y a le coffre à minerai ici. Le coffre à minerai? Et voir? Regarde ici, là. Ah, mais il y a un grinder dans les coffres et tout. Ouais, les minerais. Et il y a la blinde de minerai, les gars. Incroyable. Ah, là-bas, il y a des drawers. Eh, bien joué, hein. Incroyable. Et regardez les drawers vite fait là. Attends. Oh, non, là y'a rien. Oh non, un drawer dans un drawer. Oh, y'a 24 000 fioles dans le drawer. Attends. 24 000 fioles. Ah, sauf qu'on craft des fioles donc bon. Là t'as une pioche en palette dedans. Alors à mon avis, je vais mettre la fake ici parce qu'à mon avis, ils doivent spawner ici. Vas-y. Parce que vu que c'est couche max, en fait, à mon avis, ils ont pas pu home ici en fait. Je pense. Quel boulet. Une douche. Ah bah on a déjà la douche là, c'est bon. Les minerais, fais toi plaise mec, hein. Genre, fais toi plaise. Après, je vais peut-être prendre juste un sac de fer pour la déco. Prends fer et or, ça me servira pour le palamix call. Il fait KTU 3, vas-y. Je garde. T'as une FI 5Q5 dedans, ok d'accord. Oh, vas-y, bah je récupère, c'est bon. Hein. Aussi, il y a plein d'upgrades machin là. Je vais prendre l'or et tout, c'est toujours utile. Ouais, les upgrades, prenez. Hein. Par contre, les gars, genre, ils s'en foutent. Hein. Ils ont posé full coffre en bois. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont posé des coffres en bois. Ils ont posé full double coffre en bois. Enfin, je sais pas. Tiens, je vais prendre les slime pads, l'opsy, les patterns. Les drawers, vous les avez checkés là ou pas dans les coffres? Quel drawer? Deux drawers ici. Là, il y a des flèches, 600 de bois. Ça peut servir, limite. Bon, attends, là, il y a du bois. Prenez si vous voulez. Attends, je vais déjà déposer une première partie du loot là, dans ma sky. Oh, tiens, je vois mieux avec le casque en pala. Elle est derrière toi, la truc. Bon, à part ça, il y a quoi? Vous avez pris les tables et tout là? Il y a une pog, silk touch, non, c'est nul. Bon, 4 cave blocks, vas-y, je vais. Palladium Ink, c'est quoi ça? Ouais, pour duplier les livres. Pourquoi il y a du fendium par terre, les gars, là? Genre, c'est quoi ces pilleurs qui laissent tout tomber des poches, quoi? Ça glisse. Alors, vous ferez gaffe, je vais poser un spike en palladium dans la base. C'est dangereux, ça. Non, ouais, c'est dangereux. Attends, faut que je fasse de la place, là, dans ma sky. J'ai gardé plein de viande. Bah, là, t'as ouais, le pied. Mais moi, je trouve pas de pillage comme ça. Enfin, je sais pas. Vas-y, j'en ai marre, moi, de ma chance. Hein. La chance négative. Attends, non, mais vous tombez toutes les deux secondes, vous? Hein. Oui. Attends, je mets un coffre en bas. Mais comment je suis tombé tout à l'heure? Ah bah je comprends, je suis retombé dans le trou. Ah, ouais, bah, c'est quoi l'explosion là? Ah c'est Tic-Tac. Oh non, t'es sérieux? Mais quel bâtard. Je plane vraiment du coup. Je plane, non. Viens tout en bas. Yo. On fait du saut en parachute. Ça marche bien du coup. Il y a le bureau qui arrive là-bas. C'est cool le saut en parachute, hein. Ah, oh mais quel pillage, 10 blocs de palladium, 33 lingots. Wow, merci. Je suis tout seul en haut, en fait je mets tout le pillage. Ah mais ça répulse hyper loin quand même, hein. Par contre, ce qui est con, je trouve, c'est que ça répulse aussi les alliés. Pour moi, ça devrait répulser que les ennemis, hein. Il y a même de répulser, machin, répulse dans un rayon de 4 blocs, 5 blocs plus loin. Vous avez pris le grinder et tout, du coup? Ouais, j'ai pris le grinder. Bon bah nickel. Bon, bah voilà pour les pillages. Vu que j'arrive plus à me co sur Palladium, je vous fais la outro sur Epixel. Allez, tant qu'à faire. Et donc, dès demain, la suite de tout ça, je vais lire tous vos commentaires et essayer de me stuff par rapport à ça. Je rappelle encore... Rejoignez Discord aussi bien pour Palladium et Hypixel. Comme ça, vous pourrez m'aider. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À demain, c'était Miro. Je vous kiffe. Ciao.